Mais oui, merci Messi. C'était ce soir-là, c'était the last dance and the last chance for Messi. Franchement, faut dire la vérité parce que aujourd'hui l'Argentine, en fait, ils avaient pas le choix. Fallait gagner ce match. C'est une dinguerie, tu vois. Les ennemis de Messi, vous êtes où? Sortez de votre boîte. Parce que voilà, il y en a plein, ils voulaient que l'Argentine soit éliminée. Mais franchement, nous, on veut voir les meilleurs joueurs. Donc voilà, on sait que Messi et Ronaldo, c'est leur dernière Coupe du Monde. Donc enfin, les voir plus loin, tu vois. Et ce soir, j'ai eu peur, quoi, pour l'Argentine. Salam à tous les gars, lâchez un pouce bleu, merci à tous ceux qui s'abonnent. Et honnêtement, comme je l'ai dit en première mi-temps, l'Argentine, ils étaient catastrophiques. C'était aberrant de les voir jouer à ce niveau-là. Parce que, comme je dis, la Copa América, franchement, ils étaient bons. Mais là, ce soir, et même depuis le début du tournoi, en fait, le premier match face à l'Arabie Saoudite, je pense qu'ils ne s'attendaient pas, en fait, comment dire, à un impact, en fait. Parce que les Saoudiens, ils ont mis, tu vois, de l'intensité physique, ils lâchaient pas. Et aujourd'hui, en fait, voilà, c'était une Argentine enfin, qui était triste, en fait, en première mi-temps. C'est quoi cette dinguerie? De Paul, moi, il m'a déçu en première mi-temps parce que on sait que c'est un joueur qui est très technique, il est très fort et tout, mais ce soir, il a tout loupé. Les passes, tu vois, les contrôles, les dribbles et tout. En première mi-temps, c'était catastrophique. Voilà, il a fait des changements dans son 11 de départ, donc voilà quoi. Il a Acuña et Montiel sur les côtés, il a mis Martinez. Franchement, il a été bon aujourd'hui, donc voilà quoi. Avec Otamendi au milieu de terrain, donc De Paul, il était là. Mais moi, je trouvais que. Voilà, heureusement qu'il a fait rentrer Enzo Fernandez en deuxième mi-temps. Donc voilà, mais Messi, c'est lui qui sauve l'Argentine, tu vois, c'est incroyable. Avec Di Maria, de toute façon, c'était les seuls joueurs qui étaient techniques. Et Martinez, on l'a pas trop vu en même temps. Le Mexique, en fait, ils ont joué avec 5 défenseurs derrière, un bloc bas. C'était compliqué, en fait, tu vois, de pénétrer dans leur défense. Si t'as pas des joueurs rapides, des ailiers qui débordent et tout, tu vois, c'est compliqué. Parce que l'Argentine, quand tu regardes leur équipe, ils ont pas d'ailier. Donc Di Maria, il s'est passé pour un ailier, mais on sait que c'est pas un vrai ailier. Donc voilà. Messi aussi, il le fait vite fait. Donc quand t'as une équipe et que t'as pas d'ailier, c'est compliqué en fait. Surtout, tu vois, dans le football d'aujourd'hui. Comme Mbappé, il a dit, le football, il a changé. Donc voilà, faut avoir des joueurs rapides sur les côtés, faut avoir des joueurs qui débordent. L'Argentine, ils ont pas ce profil-là. C'est dommage en fait. Moi, je trouve que Garnacho, il aurait pu être utile en fait dans son rôle, tu vois, parce qu'ils l'ont pas pris. Mais en tout cas, malgré les 5 joueurs, en fait, il a fallu un talent. Il a fallu un génie en fait, tu vois. C'est Messi, il est sorti de sa boîte, tu vois. Donc voilà, quoi, elle a claqué un magnifique but, contrôle et frappe croisée, donc sur une passe de Di Maria. La Pulga, donc Messi, il fait un but, une passe D. Donc j'ai l'impression, depuis que l'Argentine, ils ont marqué le premier but, ils se sont libérés. Donc voilà, quoi. Ils se sont lâchés, laisse tomber, c'était plus la même équipe. Donc l'Argentine, ils ont. C'est ça, le football, tu vois. La confiance, elle peut vite changer de camp. Quand tu marques un but et tout. Typo, pareil, prendre de la confiance et tu tentes des choses parce que depuis que. Même Messi, on l'avait pas trop vu, dès qu'il a marqué le but, ça y est, tu vois, il commence à dribbler 2, 3, 4, 5 joueurs, même vers la fin, tu vois, il conservait le ballon, on dribble 2, 3 joueurs et tout. Donc voilà, comme je l'ai dit, c'est la confiance en fait, tu vois. L'Argentine, ça se voit, ils avaient peur en fait d'être éliminés. Donc voilà, c'est pour ça qu'ils ont joué avec la peur en fait. Quand tu joues avec la peur, c'est là où tu perds en fait, tu vois. Donc du coup, aujourd'hui, Enzo Fernandez, il est rentré, il a mis un magnifique but, franchement, c'est incroyable, il était très intéressant. Alvarez, il est rentré à la place de Martinez. Au final, moi, je trouve qu'il était intéressant, il était bon aussi. Même, il y a eu des contre-attaques, il n'a pas fait les bons choix, mais je trouve qu'il a été très utile aujourd'hui. Donc voilà. Et Di Maria, il était sorti. Et l'Argentine, ils n'ont pas de banc, en fait. C'est ça qui est fou. Donc là, ce soir, en fait, ils sont restés en vie. Donc l'Argentine, ils sont deuxième là, derrière la Pologne. Le dernier match contre la Pologne, il va falloir, enfin, contre la Pologne de Lewandowski, il va falloir que l'Argentine gagne pour passer devant. Donc j'espère qu'ils vont gagner et que voilà quoi, en huitième de finale, de toute façon, c'est les deuxièmes de cette poule, ils vont tomber contre l'équipe de France. Et là, Lewandowski-Messi, donc ce duel-là, il va être impressionnant à voir. Mais bon, l'Argentine, je pense qu'ils sont en confiance là, on verra. Ça peut être un match pareil, disputé, mais en tout cas, The GOAT, il a fait parler son talent aujourd'hui, tu vois. Donc voilà quoi. L'Argentine mérite la victoire sur l'ensemble du match. Quand tu regardes, en fait, les deux coachs, ils ont inversé le rôle. À la fin, il a mis beaucoup de défenseurs, tu vois. Romero, tout ça, ils sont tous rentrés. Donc voilà, c'était pour bétonner derrière. Au final, les Mexicains, ils ont voulu sortir, mais c'était compliqué, tu vois. C'est ça, en fait. Donc voilà, l'Argentine, heureusement qu'il y a Messi et Di Maria, quoi. Et vers la fin, pareil, comme j'ai dit, l'Argentine, ils ont dominé. Laisse tomber, ils ont eu beaucoup d'occasions. Et voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Abonnez-vous. Hasta luego!